Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Gothic. Aujourd'hui, nous partons dans les mines à nouveau. Et cette fois-ci, je devrais avoir un peu plus le niveau. Alors le fameux Gornadrak, il me semblait, il est passé, que c'était celui qui pouvait m'accompagner. Mais c'est pas grave, on va voir si je peux faire ça tout seul ou pas. En attendant hors live, hein, j'ai été faire ce qui me manquait. J'ai même été taper sur Lefty. Et en tapant sur Lefty, mais gratuitement parce que du coup, il me foutait la paix. Hein. Mais en tapant sur Lefty, eh bien, je me suis fait un autre ennemi, à savoir le chef du riz, là, je sais plus c'est quoi son nom. For Gomez. See ya. Donc après, les mecs de la ville, ils m'aimaient pas trop, ils m'ont tué à coups de flèche très facilement, et en rechargeant la partie, après, bah, ils avaient oublié qu'ils m'aimaient plus. Can I trade things with ouais. Every... Alors... Et nope. Cet arc long va en dextérité. Hein. C'est du bel arc. Allez. Voilà. Put the weapon down. Oui, bien sûr, pardon, excusez-moi. C'est l'habitude. Pardon, excusez-moi. C'est l'habitude. Je sais plus trop où il faut aller, en fait. Je vais suivre le chemin construit. Par la main des hommes. Là, il y a le mec qui a son coffre vide désormais. Allez, un test un peu débile. Wouhou ! Ça a quand même fonctionné. Je dois pas avoir les compétences. C'est trop long là. Je ne peux pas vous infliger ça et m'infliger ça moi-même. C'est hors de question. Alors nous avons Yann Alberto. C'est Yann le patron, il me semble ici. Tu as un truc pour moi. There must be a nest of mine crawlers somewhere here. There are probably dozens of nests here. Faux. Listen, I need to get to this net. I don't have time to see to it now. Our masher doesn't work any. I've no idea what it. Just get me a gear. A gear wheel? Where am I supposed to get that? No idea. But there's an old broken masher and a side shaft. I'll just have a look. Don't make any trouble. Fouiller dans cette grotte là. Oh, je lui saute par-dessus la tête. Bien comme méthode de déplacement. Alors là, on a pas le même gars. Entrée, Gornabar. What do you know about the mine crawlers? The crawlers must have a nest somewhere. Allez, c'est parti.
je veux bien le soutien du gars finalement. C'était presque bon. Salut Valandril, comment vas-tu? Ah. Mais il bleurons, il m'avait dit que je pouvais compter sur le soutien de quelqu'un normalement. Ah, tu veux venir? Tu veux qu'on se la donne? Viens. 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 Reviens. Mais reviens. C'est pas mal 130. Allez, le niveau 8 est pour bientôt du coup. Mine de rien, j'aimerais quand même qu'ils me donnent un coup de main, ces gens. Ou alors je leur amène dessus, hein. C'est comme ça que j'avais fait au niveau de la broyeuse, il me semble. Ça fait un de mort déjà. Par contre, deux d'un coup, je vais pas pouvoir. C'est un anneau. Protection contre le feu. Oui. Oula, 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 oula. Waouh, 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 waouh. Puis là, il y en a plus qu'un. Après, en esquivant bien, peut-être que deux, c'est possible. Salut les mecs, hein, ne venez surtout pas m'aider, j'ai pas besoin d'aide. Lumière. Alors autant que je recharge tout de suite, parce que là, ce que je viens de faire, ça pue. Oh, ça me tue quand même. Quand même faire la sauvegarde une fois que j'ai l'anneau. Ah, voilà. Seule réaction sensée et humaine que je suis supposé avoir. Comment je retourne à la broyeuse? Est-ce que c'est à partir de cette salle-là? Ah,
Oui, mais les ponts n'apparaissaient pas. Ah, c'est celle-là qui est cassée. Donc, il y a au moins un truc à tuer. Trois. Ah, il manque deux en dextérité. Ça m'arrangerait que tu restes parfaitement immobile. Bon, je tente un truc, hein. C'est la folie. Non, c'est pas fou, c'est... Non. C'est pas fou, c'est idiot. Par contre... Ça... C'est peut-être un peu plus intéressant. Si je sauvegarde, là, je serais un peu bête. Ah, ils peuvent venir jusqu'ici. Un de moins. Et vu que cette méthode fonctionne, la sauvegarde, on l'a fait. Par contre, on n'y voit que dalle. Bon, je peux pas prendre de pioche. Ah, nanana. S'il y a les deux, ça devient plus complexe. Si je commence à me barrer par... T'es là depuis combien de temps, toi? Ça va que j'ai une petite réserve de flèches. Nickel. Si je me suis pas vautré tout à l'heure, j'ai tué les trois. De toute façon, y a plus de bruit. Eh ben ça c'est cool. Le petit engrenage, il est là. Oh,
Ça fait un endroit nettoyé. Hop là. J'avais peur de pas m'ennuyer, mais pas loin dans les mines, et non, ça va. Une petite difficulté qui va bien en plus. Alors, je vais remonter lui donner. On va voir s'il me dit non, faut que tu l'amènes tout en bas. Si c'est ça, c'est pas très grave. Ce qui serait un peu plus chiant, c'est l'amener en bas et remonter, lui dire c'est bon, s'installer. Je suis à peu près certain que ça va se passer comme ça. Si jamais, évidemment, ça ne suffit pas de lui amener à lui. Alors Yann, What about you? Ah cool, il me donne Minecraft. Les infos directement. Just go to Asgan and tell him to open the gate so you can search the Asgan. Dark shaft. Just tell him everything's gonna be. D'accord. I'll just have a look. Don't make any. Je pense qu'il faut que j'aille plus en bas dans tous les cas. Salut Alberto. Can I trade? Yeah. Des trucs à me vendre ou pas? Notre santé. Des flèches. Il m'en reste 200. Ouais. Ouais, c'est bon. On est bien. Non, bah merci, hein, mais. Non. Passer si près de la mort. Il n'y a qu'une seule chose qui. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse. Tu veux bien venir avec moi? Non. Ou alors il était dans le village, hein, tout simplement. Cet arc sera moins bon que le mien. Alors, 12, 24. Cet arc en os, celui que je viens de trouver. Et il est vachement cool. Bon, sac. Mais pourquoi je peux monter là? Un autre anneau. C'est ici qu'il y en avait deux ou trois rampants que j'ai amenés dans la salle principale pour les faire se faire tuer. Sans bénéficier de l'XP malheureusement. Et c'était le prêt à payer. Hein. Alors cet anneau. C'est tout simplement un anneau de santé, j'ai l'impression, ou un autre anneau de dextérité. J'ai pas fait gaffe. Bien, j'en avais avant. Et je rappelle que on a 5 doigts par main. Les anneaux, on n'est pas obligé d'en équiper que 2. For go, man.
Oh, les jolis dégâts. Oh, ils sont au moins 4. Ils sont au moins 4. Non. Ma gueule. Ah, ça fait vraiment perdre que ça. C'est vraiment pas bien. Change d'arme, vite. C'est lequel, lui ? C'est pas le même, c'est pas grave. Au suivant. Plus que au moins 3. Bah, tu peux toucher ta cible ou pas là ? Qu'est-ce que... Mais allez ! J'ai quand même dû bosser un peu l'archerie. Mais finalement, ça passe quand même. Champignoir. Oh, là, va falloir que je compte sur autre chose pour me soigner, là. Donc, je continue de me faire des stocks de potions. Ouais, c'est pas grave. On est encore, corps, ça va passer. Bien sûr que ça passe. C'est même un peu bête. C'est bête que ça passe là quand même. Allez, moi bah, ça c'est fait. Hein. À le prochain niveau, quand même, ça, il y a un petit peu plus d'écart. Enfin, c'est logique, mais vraiment. Vraiment un peu plus là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin à looter ? Nous avons une potion de mana. Oui, pour ça, il faudrait que je sois un magicien. C'est toujours pas le cas. Normalement, j'aurais dû le devenir ou j'ai mal fait quelque chose. Mais les mages, ils veulent pas me parler pour le moment davantage tant que... confiance, blabla, tout ça, et je suis obligé d'avancer dans la quête principale pour toutes ces histoires de confiance. Donc, je pense pas avoir merdé, mais ça reste quand même bien long. En tout cas, ici, c'est fait aussi, et j'obtiens comme ma masse broyeur de roche, qui est exactement ce que j'ai, donc... C'est ni bien ni mauvais. Alors là, ici, c'est celui que j'ai visité avant. Là, c'est la broyeuse. Viper, qu'est-ce que t'as ? C'est pas toi qui est censé me délester un petit peu de... Ouais, c'est ça. Ah oui, par contre, il en avait 1000 avant, le monsieur. Alors, je te vends, évidemment, ça. Cet arc-là. Ah, notre dextérité, j'en ai déjà. Can you give me ore? If you can. Je vais pas donner gratos quand même. Non.
des gobelets, des assiettes, rasoirs, des marteaux. Plein de choses vachement utiles. Je refais mon stock, moi. Oui, je me suis jamais aventuré de ce côté-là. Grimpe à l'échelle. S'il te plaît. On est reparti. Ça faisait longtemps. J'ai un léger souci là quand même. Mais au moins, en ayant fait ça, je peux recharger la partie. Donc, cette échelle, strictement rien qui m'intéresse. Hop. Ne pas monter. Allez, ça doit être cette herse là. Ça en fait du minerai, hein, et on veut nous faire croire qu'il n'y en a pas forcément beaucoup pour certaines personnes. Donc Ashgan. Pour Gomez. There must be a nest of mine crawlers here somewhere. The whole bloody mountain is just one big crawler nest. Why have you closed the shaft? It didn't matter how many crawlers we killed. More and more just kept coming out. Sounds like there must be a nest somewhere near. No, this gate can... Mais Hey Ashgan, tout ira mieux, je sais plus. I've already told Ashgan, everything's going to be fine. And best regards from Ian. Well then. What condition is that? Just give me two or three tempers for support. I don't want to be here on my own. Oh non. Oh l'emmerdeur. Bon, ça va, je sais où il y en a. Ça reste quand même un emmerdeur. Même si c'est légitime, il a pas envie de se faire buter. Et si moi j'y allais avec des Templiers, j'aurais moins de risques qu'ils s'en prennent plein la poire. I know where the crawler's nest is. I'm going there to get something for Kalam, so we can brew a stronger potion. Then you will need my blade. Good. We'll meet at the... Let me pass. Non, je veux pas du tout. Je veux pas le tabouret, moi. Son? Ah, il y a que ceux qui ont un nom, du coup. I need your... I'm looking for secret... Will you be there when fighting crawlers, it often costs a lot of blood. If you... Tiens. Here, maybe that'll... Thanks. You can count on me. Ah, il est OK. Que j'ai besoin d'en récupérer d'autres. Est-ce qu'il va falloir que je me tape un aller-retour en haut? S'il vous plaît, non. C'est bon, j'ai deux mecs, c'est bien deux mecs.
Gomez. Où est Gomez? All preparations have been made. The gate can now be opened. Okay then. Let me pass. Ah, quelle force! Les mecs, c'est bon, on se calme, il n'y en a plus. Pas la peine de s'acharner sur du rien. Ah merde, non, ça c'est le mana, je suis en train de bouffer des trucs qui rendent le mana, mais il est déjà à fond. Ah, ça va m'énerver. Ça fait peur le jeu parfois. Pas combien il y en a, j'en ai vu au moins deux. Mais maintenant je peux reprendre la bonne arme, même si l'arc est meilleur. Non mais c'est honteux. C'est honteux là par contre. Non mais non mais toi non plus. Et si c'est ça, je booste l'archerie, j'ai oublié la magie. Tiens. Vilaine bait. Y avoir une reine hein, ou un truc comme ça, tu sais. Ah ouais, mais là, les deux. C'est par là ou c'est de l'autre côté, je sais plus. Je dirais que je suis en train de prendre le mauvais côté. Ah non. Mais non. Merci beaucoup. Tolragmir pour le follow, c'est très sympathique. Et bonjour à toi. Non, 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 non. Il m'a foutu la paix. Oh la vache. Donc de façon un peu plus sereine, encore merci pour ton follow.
Alors, il est où? Ah, il est là. Voilà. Oh purée. J'ai l'impression de jouer ma vie dans les mines. Du coup, rassurez-moi, le micro fonctionne bien là, vu qu'en plus il y a eu une petite coupure tout à l'heure. Allez! Allez! Mais! Mais c'est bon là, c'est du cac. Mais c'est du cac! J'ai laissé un petit message en même temps à l'écrit. Qu'est-ce que... Est-ce normal que tu popasses, toi? Mon perso qui s'essuie les pieds. Allez, encore quelques rampants et ce sera à nouveau un level up. Du coup, je commence à avoir quelques points d'apprentissage à mettre. Faites-moi devenir un bon sang de bordel de mage. Ouais, je vérifie juste pour le son. Faites-moi devenir un bon... Ah, c'est bon, il passe le son. J'avais peur. Alors avec tout ce rouge autour, j'ai l'impression que je me dirige vers le bon endroit. Si je peux le buter avant que l'autre ne vienne m'attaquer, ce serait bien. Voilà. Allez, viens, je t'attends. Tout pareil. Hop, je peux leur caser deux attaques avant de me reculer. Ah, est-ce que je fais le fifou? Pas de level up? Ah bah non. Non, puis ça va être chaud là. J'ai pas l'impression qu'il en reste d'autres. Exception de la reine qui est parfaitement dégueulasse. Bon bah... Pas strictement rien, mais je la touche parce que des fois il y a des petits sursauts. On peut parler ou... Faut peut-être parler. Bonjour. Moi je veux parler avec toi. Je veux pas qu'on se parle.
Mais bon, on se parle pas, on se tape. Ah, ça c'est passé. Et voilà, je n'ai plus de sort. T'es chouré un œuf. Il doit contenir beaucoup de sécrétions, c'est un fait. J'ai encore un sort de télékinésie ou pas du tout? Ah non, mais... Je suis con, je l'ai vendu tout à l'heure. Ouais. Comment je fais pour tuer cette grosse saloperie là, moi? Je vais chercher du renfort, on sait jamais. Eh mec, j'ai trouvé ce qu'il faut qu'on tue. Par contre, aussi surprenant que ce soit, je peux pas tout seul. T'es con? Je peux pas me battre avec une torche. Elle a pas aimé les boules de feu, elle aimera pas une torche. Parce que les boules de feu, je les ai chargées à fond et ça fait mal, mais pas trop. Alors faudrait que je retourne voir les mages. Qu'est-ce que j'ai vu là au-dessus? D'accord, c'est du minerai. Mais vous voulez pas venir avec moi, les mecs? Non, mais venez! Non, mais venez! Je retourne en ville, je vais voir Diego, je prends 2 en dextérité pour mon nouvel arc. Je vais voir les mages. S'il y en a qui vendent des parchemins déjà, parce que c'est pas dit. Et toi, t'as pas des trucs? Un insecticide géant? Can you give... If you... Je rachète mon anneau de dextérité pour faire un test. Donc, je vais m'ôter combien? Je vais m'ôter le mana pour le moment. On va remettre la dextérité. Mettre cet arc et ça se trouve je vais faire des dégâts. Juste un tout petit peu de dégâts suffira.
Non mais vous inquiétez pas les mecs. Je sais que si je... Enfin, je sais. Si je tue cette reine rampant, cette reine des rampants là, je pense pas avoir d'intérêt, d'utilité, même pour une quête, à revenir ici ensuite. Donc si je peux ne pas avoir à refaire un aller-retour et tout finir tout de suite, je signe. Après, si ça passe pas à l'arc, il faut que je me casse. Ça se trouve, il faut être niveau 9, niveau 10. Puis niveau 9, ça se tient. Je pourrais, ça se farme facilement, là, ce qui me manque en XP. Niveau 10, par contre, même si ça se farme aussi, ce serait plus long et beaucoup plus chiant. Se prend des coups, mais il se passe rien. Est-ce que tu veux bien me faire le plaisir de crever ? J'ai plus qu'à m'en aller et à revenir avec du lourd. La torche, parce que là je me suis peut-être un peu paumé. Oh, fallait juste continuer tout droit. Qu'on va repartir un peu. Pour un petit peu de running simulator. Et il ne lâche pas sa torche. Non, ici aussi, c'est Shell, il me semble.
Voilà la principale raison pour laquelle je ne voulais pas m'en aller tout de suite. Non, pas par là. L'échelle encore. Bien les bras du « Oh, bah j'ai perdu ma torche !» Je suis donc de retour ici et je vais au sud-est. Je passe par la porte nord-est pour aller voir Diego et les autres. Oh, dis donc. Peu de respect. Et quelques épisodes, je galérais. Pour tout cela. Et le niveau arrivera dans... Il arrivera ici. Il y a de quoi faire. Voilà. Et niveau supérieur. Ça fait un total de 67 PA. Je vais en utiliser 2. Peut-être en remettre un peu sur la force. Salut Diego, apprends-moi des trucs. Hop. Hop. Un petit 5 en force direct. Your strength, your skill, come back soon. Take care. Comme ça, je peux tout de suite passer à cet arc. Si. Peut-être que les mages voudront bien me céder un parchemin, un truc comme ça. For Gomez.
Peut-être que dans le château, il y aura aussi des gens qui me vendront des bonnes, des meilleures armes. Just go to Milton. Allez voir Milton. He deals with gophers like you. Je suis un prétendant. Pas pareil. Greeting. I want to. Ça, quand on est un mage, un vrai, c'est cool. Je veux tout ça. Par contre, je sais pas encore vraiment à quoi ça sert, les runes. On verra bien. Alors, ça va me coûter une quenouille. Je sais pas assez. Parce qu'une rune, ça a l'air vachement bien. Et si pour le moment, je prenais juste une rune de trait de feu? C'est évidemment moins fort, mais bon. Greeting. Oh, pas trop vite. Comment ça va, tu dans l'art de la magie? Ne vous regarde pas, voilà. Comment tu te fais envoyer chier? Là, augmenter le mana, mais je voudrais bien, avant d'augmenter le mana, augmenter la puissance magique en soi. Et donc, il faut que j'aille voir Milten. Qui est ici. Hello. I want to be. Caristo chose me because I did something. Unless you do something true. Besides, you must belong to the old camp. I doubt if Caristo. Mais c'est ça, il faut que je progresse dans l'histoire. Bon, en attendant, je suis quand même en. Lancer des sorts. Avec la puissance à laquelle je peux prétendre. Mais tout de même. Magie, alors. Sauvegarde parce que là, je n'y connais rien. Cercle de magie requis non maîtrisé. Voilà, donc je suis pas mage du tout. Je ne veux pas dépenser plus de points d'apprentissage. Parce que dès le moment où je serai un petit peu intronisé dans la magie, je fous tout dedans. Et j'ai pas vu pour une meilleure arme, puisque mon minerai, qui était déjà pas trop. Qui était pas trop mal, qui était bien, qui avait baissé, j'étais remonté un petit peu, bah là, il est à nouveau un peu bas. Avec les sorts que j'ai pu apprendre. C'est pas du tout par là qu'il faut que j'aille. J'allais vers la tour là. Allez, je vais faire durer l'épisode pendant encore un petit quart d'heure.
maximum. J'espère que d'ici là, on aura atteint à nouveau la reine. On l'aura tuée. Avant, ces mouches me donnaient du fil à retordre. Il y avait une certaine forme de difficulté. Mais ça, c'était avant. J'en ai pas une potion là pour sprinter un petit coup. Non. Je suis en train de me dire que pour les barons du minerai, sans forcément atteindre la quête principale des sécrétions pour le camp du dormeur, même si on est toujours on est infiltré chez eux, est-ce que virer la reine et virer les rampants, c'est pas rendre service finalement, sans avoir besoin d'aller encore plus loin dans l'histoire? En attendant, là, il faut qu'on se retape tout le chemin pour redescendre. Alors, c'est pas exactement là que je voulais sauter, hein. Il a pas sauté. Ah là là. Je crois que la remontée après avoir battu la reine, ce sera hors live. Je crois que c'est par là, ouais.
Bon, est-ce que j'utilise une torche? D'utilité. C'est vrai que c'est sombre, c'est sûr, mais c'est une mine. Salut toi! Je suis prêt à en découdre. Alors déjà, est-ce que le cac, ça fait quelque chose? Non, toujours pas. Bon, évidemment, tirer dessus... Non, déjà, ça en beurre l'arrêt. Voilà. Trait de feu en 4, boule de feu en 5, faisceau de feu en 6. Ouh, je reviens et jouer une grosse bébête. Ouais. Mais non, je veux pas viser les œufs. Bon, en conclusion, le trait de feu sur elle, ça vaut de la pisse. Le faisceau de feu, par contre... Ah oui, passer à la boule de feu maintenant. Ce qui est dommage, c'est que ça m'a coûté vachement cher et je suis déjà obligé de les utiliser. Merde, là encore. Les sauts de feu, j'en ai encore un, boule de feu, j'en ai encore 5. Et les traits de feu ne passent pas, on a dit. Et la rune de traits de feu, bah j'ai pas le cercle de magie Rolki. Allez, on la casse, on prend le temps et on lance. On en remet une. Je préfère utiliser les boules de feu et puis garder le faisceau. Je fais une sauvegarde hein, parce que je veux qu'elle y passe quand même. Non, ça ne passe pas. Bon, bah on reste sur la boule de feu. Il m'en restera après une. C'est donc pour la bonne cause. Je viens de chier le cast. Et c'est parti! Ah, 2000 en XP quand même. C'est pas de la daube. J'ai pas d'informations dans le journal pour me dire que je l'ai vaincu. C'est ce qui s'appelle une carotte. Et il n'y a pas de quoi la looter. Après, je sais qu'une bestiole comme ça, elle lootée, il n'y a pas franchement grand-chose d'intéressant. Bon. Enfin, j'espère qu'au niveau de la herse, le mec pourra me dire... C'est gentil. Tu as tué la reine. Maintenant, nous ne craignons plus rien. Tu ramasses la torche. Tu ramasses la torche. Bon bah ramasse pas la torche.
reculer les mecs. Merci, il y a un truc. Les rampants des mines ne devraient plus être une menace. The minecrawler shouldn't be a threat. That's good news. I'll just send a messenger to Tharis. Ah. I found the crawler nest. Wonderful. Now go back to May this. I found the. I thank you and may the sleeper. May this. Peut-être que d'aller voir Taurus et de lui dire, ce sera un grand service et sans attendre plus loin dans la quête principale, je pourrai enfin être reconnu et devenir mage. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce qu'il faut que je fasse mon rapport à Raven. Et je pense que c'est selon ce que Raven dira que les mages diront il a rendu service. Sauf si Taurus dit qu'il va parler nous et que Taurus a une certaine forme d'influence. À voir. Tiens dans sa main en fait ce couillon là. Allez, on y croit. Après ça, plus besoin de revenir dans les mines du tout. On y croit. J'aimerais tellement que ce soit vrai. Did a good job with the crawlers. You deserve to be admitted as a guard now. Admis dans la garde. Just go over to the old camp and speak to Tharis about it. Parle à Taurus. Ok. Bon, ça s'est pas affiché, hein, mais on a tous bien compris la même chose. Alors, oui, ça, je prends à gauche. Trouve pas coincé dans les pierres. Parce que là, la sauvegarde, elle était tout en bas de la mine, il me semble.
Ah, c'est pas une quête qui s'affiche. Pas une quête qui s'affiche, mais... Pour être intégré dans le camp, de toute façon... Parfaitement logique. Salut Taurus, j'ai rendu service, j'ai buté la reine, hein, et on a du mal depuis des semaines et des semaines, et là maintenant... Ouais, ouais, on va aller le voir. C'est la dernière chose qu'on va faire dans cet épisode, mais on va aller le voir. Peut-être que Diego en saura un peu plus. Bien. For Gomez. J'ai tes 1000 pépites. T'as quelque chose à me dire? Yes. What you did in the mine not only shows some courage, but it also proves your strength and your fighting skills. I'm ready to accept you into the ranks of the guards. Oui, pour être accepté dans le rang de la garde, mais je veux pas être dans la garde. Je veux être un mage, Taurus. But you're not quite ready to become a guard. Ça marche. Ah, mais peut-être que pour devenir un mage, il faudrait être niveau 10 aussi. Bon, là, j'ai juste à rapporter les sécrétions. Cette phrase, je l'adore déjà. Le niveau 10, il sera pas excessivement long à atteindre. Hello. Caristo chose me because unless you do something besides, you must. See. Ouais, non, il va falloir que j'aille au camp du dormeur. Chose que je ferai hors live. C'est la fin de cet épisode sur Gothic. Rendez-vous très bientôt pour la suite. On va enfin réussir à devenir un mage. Salut.